Je pense que les mouches sont terriblement compliquées, mais quand même infiniment plus simples que nous sommes nous-mêmes, ne serait-ce que par le fait qu'elles ont beaucoup moins de neurones. Et chacun sait que les mouches ne sont pas très bonnes ni en mathématiques, ni en poésie, ni dans les arts les plus divers. Et par contre, elles sont infiniment intelligentes, si l'on peut dire, du point de vue sensorimoteur. En effet, naviguer dans les trois dimensions de l'espace, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et il n'existe aujourd'hui aucun robot de par le monde qui sache naviguer dans les trois dimensions de l'espace, en évitant les obstacles à droite, à gauche, en évitant le sol, etc., etc. Lucilia. Lucilia. Je vais choisir un mâle. Parce que le mâle a les yeux plus rapprochés. Voilà. Voilà. La mouche captive. Donc l'idée de cette petite boule, c'est de permettre d'avoir un insecte complètement immobile dans l'espace et néanmoins qui réagit à des choses qu'on peut lui présenter, qu'on peut présenter de manière assez fine à son œil. Par exemple, on peut lui présenter un mouvement sur sa rétine, le mouvement d'un objet sur sa rétine, et on va voir si l'insecte est capable de réagir à ce mouvement. Et on peut mesurer la réaction de l'animal de manière très fine en enregistrant tout simplement, finement, la rotation de la boule. L'animal lui-même croit qu'il est en train de naviguer sur le sol et en fait, c'est une navigation virtuelle puisqu'il est verrouillé dans l'espace. Nicholas Franchessini has studied the fly for more than 40 years. And then in particular, their eyes. J'ai fait de l'ordre, donc je ne trouve plus rien. Among all his publications, he has trouble finding his most groundbreaking ones. But he has no problems finding his original thesis from 1965. Oui, j'ai encore ma thèse, oui, de l'époque. D'ailleurs, le nom était assez évocateur. Je ne sais pas trop où elle est. Je crois qu'elle est par ici, oui. C'était ma thèse, vous voyez, le nom s'appelait « Sur le traitement optique de l'information visuelle dans l'œil à facettes de la drosophile ». Donc c'était vraiment les considérations optiques essentiellement. Vous voyez, c'était la première fois qu'on pouvait observer des cellules photoréceptrices chez un animal vivant et intact. Et d'ailleurs, vous devez savoir que de nos jours, il est encore très difficile de voir dans l'œil de l'homme, par exemple avec un ophtalmoscope, il est très difficile de voir avec suffisamment de résolution et de contraste les cônes et les bâtonnets. On comprend aujourd'hui très peu de choses. On comprend encore très difficilement, par exemple, comment l'homme lui-même arrive à piloter ses jambes et ses pieds pour marcher, tout simplement, à partir de sa vision. Contrôler finement ses mouvements, les mouvements des mains, contrôler finement les mouvements des jambes à partir de sa vision et à partir de son audition et à partir du système inertiel que nous avons dans la tête, reste l'un des grands problèmes majeurs des neurosciences de nos jours, si l'on pense à l'aspect tout à fait fondamental des choses.
Research into how flies see and as a result move can possibly help us to understand how we do that. But the main goal of Franceschini's work is in the first place to find out how a fly sees where it's going. Comment font-ils ces animaux pour faire tant de choses avec si peu? Ils ont peu de pixels dans les yeux. Une drosophile n'a que 700 pixels à droite, 700 pixels à gauche dans ses yeux. Ils ont peu de neurones. Une mouche a au maximum 1 million de neurones. Et comment font-ils pour se débrouiller avec si peu de choses? Flies like this green bottlefly have eyes made up of around 3,000 lenses each. Behind each lens or facet are found light-sensitive cells. Each lens is orientated in a slightly different position, allowing the fly to take in all its surroundings. Using this self-made apparatus, Franceschini can look through one of the thousands of lenses at the light receptors from a living, undamaged fly. The most important lens used here, therefore, is the lens in the facet itself. Avec cet appareil, il est possible d'aller stimuler très finement des cellules photoréceptrices individuelles à l'intérieur d'une même facette. On sait que dans une facette de l'œil de mouche, il y a 8 cellules photoréceptrices. Les 2 cellules centrales sont plutôt faites pour la vision des couleurs. Et les 6 cellules périphériques sont plutôt faites pour la vision du mouvement. Alors, si je regarde ici dans cet appareil, je vois à travers une seule facette les 7 cellules photoréceptrices qui se situent dans le plan focal. Et en ajustant très finement ces spots lumineux, j'ai la possibilité de sélectionner une cellule et puis ici une autre cellule. Et je vais les illuminer l'une après l'autre pour simuler un mouvement qui pourrait se produire dans le champ visuel de la facette en question. Donc l'idée en quelque sorte, c'est de simuler un mouvement tout en enregistrant avec ces microélectrodes la réponse électrique d'un neurone sensible au mouvement. The receptors in a fly's eye appear to be particularly sensitive to movement. But what does a fly then see? Where we create a totally sharp image of our surroundings, a fly with much fewer pixels sees mainly color and movement. At least that's what we think. But as soon as we try to visualize it, we know that we're coming up short. With flies, we need to stop thinking in terms of images. C'est la raison pour laquelle ce genre de science n'est pas très avancé, parce qu'on a du mal, par introspection, à essayer de se rendre compte comment un autre animal que nous, les hommes, peut voir. Pour nous, la vision des hommes, c'est essentiellement la vision consciente. Quand on pense à la vision, on pense à notre vision consciente, celle qui nous permet de reconnaître un joli tableau, de reconnaître notre mère, etc. Mais chez les animaux, chez la plupart des animaux, il n'y a pas forcément de conscience. Et néanmoins, il y a une vision qui est extrêmement intéressante et extrêmement difficile à comprendre aussi, et que nous avons nous aussi dans la tête. Et c'est tout le lien entre ce que nous percevons et notre action. Key to understanding how movement is perceived is the image stream or optical flow that passes as we move or our surroundings move. Le flux optique que nous percevons, par exemple, lorsque nous sommes sur l'autoroute et que nous avons un paysage à droite et un paysage à gauche, bon, ça c'est typiquement un flux optique que peut percevoir aussi un insecte, mais de manière beaucoup plus grossière. Et toute cette perception, c'est une perception totalement inconsciente. Et heureusement qu'elle est inconsciente, parce que s'il fallait charger notre mémoire avec des informations comme cela, ça ne nous servirait pas à grand-chose. Donc, tant mieux
qu'elle est inconsciente. Mais ce n'est pas parce qu'elle est inconsciente qu'elle est facile à comprendre et que nous la comprenons. Ça reste très difficile et ça donne naissance à des réflexes extrêmement complexes, de très haut niveau. In the store of the famous Cité des Sciences, Paris' science museum, stands the first robot that was able to independently find its way between a set of obstacles on the ground. Franceschini had designed it 20 years ago as a result of the movement detectors he had discovered in the fly. It's been years since he last saw it. Ah ben, ça fait plaisir de retrouver ses enfants. La véritable innovation, c'est la réalisation de cet œil composé, une sorte de tranche horizontale à travers l'œil composé de la mouche. Il y a ici à peu près autant de facettes qu'il y a sur une tranche horizontale de l'œil de la mouche. Et il faut imaginer que ces facettes vont être capables de détecter le mouvement relatif entre l'animal lui-même et son environnement. Ce robot navigue par translation élémentaire, bien évidemment, et ensuite, il fait des saccades qui vont l'amener dans une autre direction pour chaque fois se diriger vers la cible tout en évitant les obstacles. Et ce faisant, il reproduit en quelque sorte la navigation très saccadée des mouches dans l'espace. Donc, pour, d'une certaine manière, pour nous, ce robot, c'est une mouche. C'est en tout cas un certain aspect de la mouche. Robot Fly's target is a light source that it sees with its upper lenses. It maneuvers slowly with the help of its compound eyes. As the robot moves and approaches an object, two facets, one after another, see the object pass. If that occurs quickly, then the object is close by. If that happens slowly, then the object is further away. Robot Fly avoids the objects closest to it, calculates the best turn, and moves on a bit. Premier jour, nous avons vu ce comportement. Évidemment, nous étions très très satisfaits. Il avait été complètement prédit. On pouvait prédire qu'il allait fonctionner de la sorte. Néanmoins, c'est toujours bien de voir la chose fonctionner d'elle-même, car il y a toujours des aléas dans la fabrication et dans le pilotage. L'ensemble de l'électronique est assez complexe. Et il faut, l'une des particularités, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordinateur à bord, dans un ordinateur du genre PC ou Macintosh. Il n'y a absolument rien de cela. Or, tous les systèmes nerveux du monde animal, tels que nous les connaissons, fonctionnent de manière analogique. Ils ne fonctionnent pas comme les PC ou les Macintosh, avec une unité centrale de traitement. Il y a ici des opérations qui sont faites pas à pas, pixel par pixel, pourrait-on dire, et c'est essentiellement une inspiration profonde en provenance des êtres vivants et en particulier en provenance du système nerveux des insectes. Le robot lui-même doit se déplacer pour voir. Et c'est pendant son déplacement qu'il voit. Et il voit quoi ? Il voit le mouvement. Et si le robot s'arrête, s'il a le malheur de s'arrêter, pour une raison quelconque, il devient totalement aveugle. A stationary fly probably also doesn't see anything not moving. That's why it's possible to swat a fly if you approach it very slowly. But in other respects, Franceschini's first robot differs slightly from a real fly. Il y a des problèmes absolument faramineux que doivent résoudre ces très petits animaux avec peu de neurones et peu de pixels. C'est par exemple comment retrouver la femelle. Le mâle de la mouche est capable de poursuivre la femelle en vol à une très grande vitesse et c'est un problème évidemment qui nous dépasse. Il n'existe évidemment sur la Terre aujourd'hui aucun robot, personne ne saurait construire un robot aussi petit qu'une mouche qui soit capable d'aller poursuivre un point noir dans le ciel à la vitesse à laquelle peut le faire la mouche mâle. In his research into the systems that made that possible, Franceschini and his team stumbled on an extra mechanism in the eye of the fly.
lorsque l'animal est en vol, eh bien, la rétine, c'est-à-dire la couche de cellules photoréceptrices, un peu l'analogue de nos cônes ou de nos bâtonnets dans la rétine humaine, cette couche de cellules photoréceptrices vibre sous les facettes. Ce petit robot aérien que nous appelons Oscar, c'est un petit robot qui essaye de reproduire ce que nous avons découvert à bord de la mouche, à savoir la vibration de la rétine. Donc il faut bien comprendre qu'à bord de ce robot, il y a très peu d'éléments d'image, il y a très peu de pixels, comme on dit aujourd'hui, et il n'y en a même que deux. Et c'est grâce à la vibration latérale de ces deux pixels que l'appareil est capable de voir un contraste comme celui-ci et de fixer du regard en ajustant la poussée de ces deux hélices à droite et à gauche. Et s'il n'y a pas cette vibration, si on coupe la vibration, le robot n'est absolument pas capable ni de détecter le contraste, ni de fixer son regard sur lui. On peut montrer que grâce à cette vibration, l'animal ou le robot a la possibilité de détecter des choses beaucoup plus fines, avec une précision environ 40 fois meilleure qu'il ne pourrait le faire s'il n'avait pas cette vibration rétinienne. It's not just flies. People also have a similar micro-movement of the retina, allowing them to accurately fix on an object and follow movement. We wouldn't be able to do that without a vibrating retina. Supposons que ce soit un robot qui navigue dans l'espace et qu'il subisse un coup de vent latéral, une perturbation latérale extrêmement violente. Évidemment, il perdrait son champ visuel, se déplacerait sur le gris ou se déplacerait sur le banc, sur le blanc, il perdrait immédiatement ce contraste. Et c'est la raison pour laquelle, dans un deuxième exercice, nous avons introduit à bord de ce robot un système qui est proche de ce que l'on appelle chez l'homme le réflexe vestibulo-oculaire. On connaît l'expérience où on fixe le bout de son doigt, par exemple, et si je donne une perturbation à mon système visuel, par exemple en tournant la tête comme ceci, je continue de voir mon doigt. Et c'est ce qui a été réalisé sur le robot Oscar 2. Et sur ce deuxième robot, il y a un véritable découplage entre la direction dans laquelle regarde l'œil et la direction dans laquelle se trouve le corps de l'appareil. Bien, nous avons construit une sorte de machine à caloter, si je peux dire, et cette machine, c'est une sorte de paille qui tourne à très grande vitesse et qui vient tout simplement frapper le robot sur l'un de ses côtés. Et en frappant le robot, on crée une perturbation terrible et on voit que l'œil va produire une contre-rotation immédiate et va en permanence rester fixé sur le contraste. Et nous pensons que la mouche possède un système tout à fait semblable et qui fonctionne alors de manière plus ou moins semblable grâce à un capteur inertiel qui est maintenant connu depuis une cinquantaine d'années et que l'on appelle les balanciers. Ce sont deux petites masselottes inertielles qui vibrent à la même fréquence que les ailes et qui se situent derrière les deux ailes. The small moving pin-shaped halters are the fly's balance organs. They constantly register the position of the fly's body, allowing them to change their field of view when their bodies move suddenly. All these processes working together allow flies to follow one another. And the male even has something extra to help him follow his coveted female. The eyes of the male are larger than those of the female. That's why they appear closer together and what makes them easily recognizable. If a male is following a female, he'll fly behind and slightly under her. He sees her with this red shaded area in the top part of his eye. It's especially designed for following females. Or, lorsque nous avons nous-mêmes regardé ce qui se passe dans la rétine du mâle, nous avons découvert que précisément dans cette région qu'il semble utiliser pour poursuivre la femelle, il existe des photorécepteurs particuliers. Et en plus, ces photorécepteurs particuliers sont câblés de manière différente dans le système nerveux de l'animal.
et ces neurones sont chargés de reprendre cette information visuelle très spécifique au mâle et de l'envoyer vers les muscles des ailes. Autrement dit, le mâle pilote sélectivement ses muscles des ailes afin de se diriger vers la femelle, et ceci, il le fait grâce à un circuit qui lui est particulier de A à Z, c'est-à-dire depuis les photorécepteurs jusqu'aux muscles des ailes. Il y a toute une circuit spécifique au mâle pour poursuivre la femelle. The fly continues to give Franceschini new ideas of what to build into his robots. But in turn, the behavior of his robots also keep teaching him something new about the fly. Dans le cas du robot aérien que nous appelons Octave, il s'agit d'un exercice qui tente de montrer comment un insecte pourrait bien naviguer dans l'espace, en trois dimensions, qui plus est, sans emporter ni radar, ni GPS, ni de ces composants traditionnels de l'aéronautique. This helicopter robot also operates on the basis of the optical flow it registers. A wall close by passes through the field of vision faster than the landscape behind it. Octave maneuvers on the basis of these speed differences, using an eye aimed downwards. Donc ce que fait ce robot Octave, c'est qu'il essaye à chaque instant de maintenir son flux optique constant. Et comment le fait-il ? Eh bien, il le fait en ajustant sa poussée verticale, c'est-à-dire son altitude. Si vous déplacez un bord contrasté, tel que ma main, par exemple, devant deux photorécepteurs, eh bien, vous voyez que le bord contrasté va d'abord frapper sur l'un des récepteurs et ensuite, peut-être 50 millisecondes plus tard, sur l'autre photorécepteur. Eh bien, ce que fait un neurone détecteur de mouvement, c'est précisément qu'il est capable de mesurer le temps qui sépare ces deux excitations. Alors si le bord contrasté se déplace trop rapidement, le temps mis par l'excitation de ce photorécepteur est séparé de celui-ci, le temps est trop rapide, trop court, ce temps est trop court. Donc ce que va faire Octave dans ce cas, c'est qu'il va accroître la poussée de l'appareil, donc monter son altitude de telle manière que le temps redevienne toujours le même. Et c'est ça qui est un régulateur de flux optique, et c'est ça qui est la clé du fonctionnement d'Octave, et nous le pensons aussi des insectes, et peut-être aussi des oiseaux. If the ground is featureless, without contrast, Octave won't stay in the air. The robot will think that it's flying too high and descend until it crashes. That explains something that's long been observed in nature. Bees flying over a mirror-like pond surface often hit the water. Pilots of water planes also know the phenomenon. If they fly over rough water or land, they're aware of a constant optical flow, which, coupled with their speed, gives them an indication of height. If the water surface is mirror-like, then it's very difficult to judge the height. There's no more optical flow, only an image without movement. That's what makes it very difficult to land a water plane on a wind-still day. But if this problem is solved, then Franceschini sees a host of applications for his robot flies. Parmi les applications futures, on peut envisager la construction de petits appareils aériens automatiques. Donc il y a des applications potentielles intéressantes à l'aéronautique et également dans le domaine de l'astronautique. Car de nos jours, par exemple, des appareils censés atterrir sur Mars, théoriquement, auraient besoin d'un GPS, auraient besoin d'emporter des radars et tout un tas de systèmes assez onéreux, assez lourds et assez encombrants. Or, ce que nous enseignent les insectes, c'est qu'il est tout à fait possible de naviguer au-dessus d'un terrain et de décoller automatiquement et d'atterrir automatiquement sans avoir besoin de ces équipements avioniques très très lourds et très très encombrants et très très onéreux également.